Vous voulez toute la carte? En vrai? Attends, toute la carte? Combien ça ferait, toute la carte? Ça ferait cher, tu vois. Ça ferait beaucoup. Bien la Team Chef, j'espère que vous allez bien. Steve Chef, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis en compagnie de mon petit frère Antoine. Et de mon petit frère Jackie. C'était... Pourquoi Jackie? Je sais pas, c'était en impro. Il est midi, et qui dit midi dit... Ravioli, et qui dit midi dit... Jackie. Et qui dit midi dit... Sodo. Bref, ok. Donc il est midi, est-ce que vous avez faim? Ouais. Pas tellement, très bien, la vidéo tombe à l'eau. J'espère que vous avez faim. Quel cheat meal vous ferait plaisir? Celui qui nous tue pas. Bat. Burger King. Bonne réponse. Sachez les gens que, je crois pas que je dis de bêtises, mais je n'ai jamais mangé Burger King de ma vie. T'as déjà mangé Burger King? J'ai déjà mangé, mais juste pour les glaces. Et toi, Bat? J'ai envie de manger un burger. Un seul burger, très bien. Donc, on est... Vierge. Voilà, j'allais dire néophyte, mais ça marche aussi. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on aille. On dit pas au McDrive, du coup, on dit quoi? Au Burger Drive. Donc, Burger King Drive. Au Drive. On va aller au Drive, on va aller au Drive, c'est plus simple. On va aller au Drive ensemble, on va prendre un maximum de choses et on va le déguster et on va pouvoir mettre des notes comme ça. Let's go! C'est parti! Il est chaud, il est beau! Oh! Ok, les gens, c'est parti! Bat, est-ce que tu veux manger un Burger King? On dit pas non. Antoine, il est chaud. Après, il s'y connaît pas trop. Mais moi non plus, c'est Bat qui va nous guider parce que j'ai pas du tout. Ok. Bonjour, je vous écoute. Bonjour, je vous avoue que c'est la première fois de ma vie que je viens à Burger King. Ouais, bienvenue. Merci beaucoup. Alors, je connais pas trop, est-ce qu'il y a moyen d'avoir un peu tout? On prend tout. Un peu tout, vous voulez toute la carte? En vrai? Toute la carte. Combien ça ferait, toute la carte? Ça ferait cher, tu vois. Ça ferait beaucoup. On va prendre les classiques, ça sera plus simple. Je vais vous prendre un Whopper. En menu? Alors, dites-moi ce qu'il y a dans le menu. Frites, coca ou une autre boisson? Une frite, une boisson, un coca et un Whopper. Je vais prendre un barbecue cheese and bacon. Aussi, c'est pas les frites, c'est les potatoes, c'est ça? Non, c'est des frites avec du cheddar, du bacon ou de l'oignon. D'accord, alors on va prendre le cheddar. Ah oui, avec du bacon ou de l'oignon, Bat? Bacon. Bacon, s'il vous plaît. Au niveau de la boisson? Qu'est-ce que vous avez d'original? Après on a la bière Heineken. En menu. Ensuite on va prendre un Big King s'il vous plaît. Je vais vous prendre des King's Wings. Des Krusty Chèvre aussi en 4 pièces. T'as le Big. Il y a des wraps. Le wrap chicken vegan. Donc avec du poulet. Et le Krusty Chèvre avec du chèvre. Ben, je vais vous prendre les deux. Les deux. Qu'est-ce que vous pensez qu'il manquerait de classique un petit peu dans la carte? Un dessert, on part pas sur le dessert, ça marche. Alors là, vous avez la nouveauté actuellement, si vous voulez profiter, c'est le Nutella. Le Nutella, ça marche, on va tester alors. Moi qui essaie de faire la diète. Et avec ceci, une autre, c'est ça, c'est des glaces. On va faire une queue derrière. Des fruits, il y a les manières de faire un peu diète. Des fruits pour enfants. Voilà, ça sera tout et je pense qu'on est pas mal. Je pense que vous êtes pas mal non plus. Ma vie flash. Très bien. Ça vous fera 49,80€ pour une chose. Ça roule, merci beaucoup. Dang. Ça pique. Il y avait beaucoup de monde non derrière. Derrière, t'as fait une queue. Attends, on ne voit pas, hein, mais. Il y a au moins 10 voitures. Ah ouais, mais c'est le temps, il faut bien choisir. Mais comme il y a que ça qui est ouvert maintenant. Super, bonjour. Vous allez bien? Parfait. Ah, paiement refusé. T'as ta carte, Antoine? J'ai ma carte. Tu t'en sors? Non, est-ce qu'on peut rentrer le code peut-être? Paiement refusé, ça sent pas bon. Yes! Ah. C'est bon, on va pouvoir manger à midi. Ok, fou. On a pris 3 glaces. 2 wraps. On a pris plein de wraps. Ah oui, putain, mais il y a vachement. Mais oui, t'as pris 50€. Tu sais que 50€, tu nourris un pays avec ça. Ah ouais, bah écoutez. Dites-nous dans les commentaires quel est votre fast-food préféré. Toi, c'est lequel, toi, Antoine? Bah, la nourriture du strip club est pas mal. What? Du strip club? À la boulette. Du strip club, c'est quoi ça? Non, du street. Ah, du street club. Ouais, du street club. Et toi, t'aimes quoi comme fast food? C'est vrai que je suis plutôt burger fait maison. Et toi, va Team McDo, tu connais? Team McDo, ici, si représente. Right. Est-ce que t'as des expressions de John à m'apprendre là pour que je sois un peu in? Shape. T'es Wati Swag. T'es Wati Swag, ok. Ouais, ou t'es Wati BG. Ouais. Wati bonjour, Wati ça va? Ouais, ça. Ok, d'accord, c'est long les phrases. Ça va ton petit bandana là? Ah ouais, tu trouves? Ah, c'est très joli, c'est très mignon. C'est parce que je fais partie d'un gang. C'est vrai? Ouais. Non, c'est juste qu'il me l'a pris dans mon tiroir. C'est très kawaii. Il fait un beat avec la vitre. 2 hours later. Du coup, Burger King, ça fait combien de temps que ça arrivait en France, Burger King? Burger King, ils ont ça racheté. Ça fait 3 ans. Ils ont racheté Quick, du coup. Du coup, il y a plus de Quick en France. Il y en a quelques-uns, des fois. Il me semble qu'il en reste, mais c'est très très rare maintenant. Several bad puns later. Et toi, du coup, t'as quoi comme projet en ce moment? Bah, déjà manger. Donc, toi, tu vises sur les projets à court terme, quoi. Ouais, c'est comme ça. Tu vois pas à long terme. Donc, moi, comme ça, je l'ai fait, tu vois. 6 and a half hours later. Bonjour, vous allez bien? Oui, ça va, merci, vous-même. Très bien, mais très très bien. J'ai une autre prochaine, ne partez pas. Oula! Ah. Wati merci, c'est ça qu'on dit? C'est ça, Wati merci. Mais à l'arrière, Wati merci, merci beaucoup. Merci, au revoir. Wati, bon week-end, merci beaucoup. Wati, au revoir. A tout à l'heure.
Attention. Ne faites plus un seul geste. Comment être regarde, Pichou. C'est parti. Donc vous avez vu le passage au drive, maintenant à table. Alors on commence par toi. Mais par les desserts. I have my dessert first. D'accord, c'est très bien, c'est original. On va mettre un peu tout sur la table. J'ai jamais fait un petit pile aussi gros. Ah ouais. On prend des assiettes pour se le partager. Non. Bah si, si on veut chacun goûter un Whopper. Non. Non. On croque chacun dedans. You are disgusting, I'm gonna kill you. Ouais, on fait... Je rigole. Hop. Vas-y, passe. Non mais Antoine... Vous m'attendez pour manger, hein. Ouais. Cake. On va manger, le but c'est de faire une dégustation. Oui. Tiens. Donc c'est parti pour la petite dégustation. Je vous propose qu'on commence par le plus classique, c'est le Whopper. C'est celui-là, non? Le Whopper, c'est le concurrent numéro 1 du Big Mac. Exactement. Oh là là. Du coup, on se le partage en 3, c'est ça? On se le partage en 3. En 3, on a 10 battes. 1, 2 et 3. C'est vrai que depuis tout à l'heure, on a ça devant les yeux et commence à faire faim un peu. Ça veut rien dire, il commence à faire faim. Mais tu utilises des expressions. Alors, c'est parti. Donc, Bat, il a commencé à manger. Bat, attends, faut déguster, Bat. Ce critique culinaire en carton là. Ok. Allez, c'est parti, on va goûter ça. On voit un petit pain brioché, petite tomate, petite salade. Il est bon. Donc moi j'explique et vous commencez à manger. Ah ouais, mais c'est trop bon. Ah ouais. Ah il est bon hein. Et la sauce est très bonne. Bon. À la tienne hein. Je le préfère au Big Mac. J'aime bien les cornichons. Ouais, ça rajoute un petit goût sympa. Ah je suis ravi. Qu'est-ce que t'en penses, Bat? Tout est bon. Il y a de la salade, des cornichons, de la sauce. Franchement il y a un bon mariage. Le steak est pas plus gros que. Je vais pas en prendre un autre bout parce que sinon ce serait un peu gras mais bon. Et nous? Le steak est pas plus gros que celui du Big Mac. Mais il est très bon hein. C'est vrai qu'il est pas mal. Il y a un bon mélange. On sent qu'il a été travaillé par un chef étoilé. Étoilé, un chef Michelin. Ils vont pas prendre des chefs médiocres comme Thibaut par exemple. Bah oui. Alors on va goûter les frites. Donc juste des frites simples là. Ouais, on commence par les frites simples. Ok. C'est sympa comme vidéo, non? Ouais. Franchement, il y a pire quoi. Il y a pire. Les frites sont plus grosses qu'au McDo. Tu trouves un peu plus longues? Non, plus grosses. Ouais, qui kiffe hein. Elles ont pas le même goût exactement. Elles sont plus aérées. Elles sont plus vides à l'intérieur. Elles sont pas mal comme au McDo. Du coup, moins bonnes que celles de McDo? Non, en vrai, c'est différent. Ok. Je saurais pas choisir. On fait un wrap. Là, c'est un chicken. Donc, alors. Chicken végétarien, j'imagine. C'est une blague. Donc, déjà, on arrive sur une grosse croquette de poulet. De la salade, du fromage. Ok, allez, on va diviser tout ça. Je suis aux toilettes, je me suis pas lavé les mains. Alors juste sur la crêpe, c'est quoi? C'est vraiment croustillant, enfin c'est dur. Allez. Donc au niveau du goût, on sent un petit goût poivré. C'est très bon. Ça met bon ça au sandwich triangle un peu. C'est pas un compliment ça. Non, au niveau de la sauce. Moi je trouve que ça manque un peu de croustillant. Vraiment croustillant. On attaque direct. Enfin, on est professionnels quand même. Hein. Salut. Désolé, on vous donne faim en regardant la vidéo. Sortez un petit paquet de chips. I'm just sitting here eating chips. Et après, regardez les vidéos d'entraînement de Thibaut. Exactement. Comme ça, deux en un. Marketing is business. Après, il n'y a rien de ouf. C'est... Ouais, moi, ouais. Ça, j'aime pas trop. Pas exceptionnel. Pareil. C'est très bon. Est-ce qu'on t'attaquerait pas à la boisson parce que j'ai un peu soif? Vas-y, vas-y. Du coup, on a quoi? On a Sprite. Il y avait Heineken d'ailleurs qui proposait. On aurait pu prendre une petite binouze. Une petite binouze. Ça, c'est Coca et ça, c'est Ice Tea. Ok, ah, il vas-y. A l'œil. Il a le coup d'œil. Après, c'est des boissons classiques, j'ai envie ouais, de. Ouais, c'est des boissons classiques, vas-y. En tout cas, ils ont fait un effort sur les pailles en carton. Ouais, pour l'écologie. Aussi, McDo, ils avaient changé les cuillères. Maintenant, elles sont en bois, je crois. Alors, on attaque ce burger là. Alors, c'est le barbecue cheeseburger. Non, cheese bacon. Au niveau du steak, pareil, hein, c'est pas un steak très très large. Hein. Ça a l'air d'être un peu le cheeseburger de chez McDo. Sous le pain, il y a encore la petite trace blanche qu'il y avait. Mais ouais. Et fais la petite explication. C'est une trace de cuisson. Allez, donc là on part sur une sauce barbecue, c'est ça? Pour les amoureux de la sauce barbecue. Là je dis aujourd'hui, la vidéo elle va pas être rigolote, hein, on est sérieux. Hein. Vous êtes sérieux? On se tait et on déguste. Alors, un peu trop de sauce pour moi, je trouve. Pas moi du tout. En fait, je suis tout au feu. Le bacon dépasse bien. Je trouve qu'il me fait penser au Whopper sans les cornichons. Ça passe, c'est bon. Le Whopper reste le best, mais celui-là en deuxième position, je pense. Bat, je te laisse. Bat mange Mento plus que nous. J'ai faim. On peut partir sur les snacks. On a quoi? On a les nuggets. Alors, un nugget. Un nugget. Deux nuggets. Bon, nuggets basique. La panure, elle a goût de popcorn. Mon avis, c'est que quitte à manger un nuggets, autant aller à McDo. Bah après, c'est les mêmes goûts, je trouve. Ça a un peu, un petit peu moins de goût. Ouais. Dites-nous dans les commentaires aussi votre burger préféré. Ok, on peut partir sur quoi là? On a quoi? Sur le fromage, tu veux faire quoi? On a des snacks au fromage là, du coup. Omelette de fromage. Oignon au fromage. Oula. Fromage. On dirait un caillou. C'est une croquette de fromage. Moi j'en ai un Babybel. Mais exactement. Oui. On déguste. Moi j'ai même pas goûté encore. Ça passe, mais je trouve ça très bourratif. En manger 4, je pourrais. Ouais. Ça te cale quoi. Moi je trouve pas. Bon, mais tu vois, j'ai même pas envie de le finir. Yoai mono mini koi. On passe à la suite. Alors là, on attaque le Big King. Ah, qui a la même tête que le Big Mac. Non, il n'y a pas le pain du milieu. Ah oui, exactement. Très bonne remarque. T'as fait back Spayburger. Il a quasiment la même tête que le Big Mac. Je pense qu'on va partir sur un goût quand même différent avec la sauce. La sauce qui est quand même collector chez McDo. Genre la formule de la sauce, secrète. Allons-y. Il y a beaucoup de
double salade, c'est double steak, mais en plus un peu le même goût. On sent que c'est la sauce qui rallie un peu tous les burgers. Je trouve qu'il a presque le même goût que le Big Mac en vrai. Ah, pas du tout. Ah ouais? Moi je pense qu'il a à peu près le même goût que le Whopper. Sinon, ça manque peut-être de tomate. Ah, c'est ça peut-être. Ah ouais. Ne pas sous-estimer la tomate dans un burger. Car il faut y avoir de la sauce, tu vois, autour et tout. D'ailleurs, ils ont pas mis de sauce. Mais non, mais parce que Thibault, lui, il est bizarre, c'est qu'il trempe ses burgers dans la sauce. Est-ce kebab pour faire ça, hein? Ok, du coup, là on attaque les frites avec oignons frits et cheddar. Elles doivent être un peu froides, mais tu dois quand même garder le goût, j'imagine. Mets tes gros paluches dedans. Ah bah, tu t'es lavé les mains ou... Oh là là, il a mis par terre. Ça me fait penser un peu à une poutine. Désolé les Québécois de vous insulter un peu de cette manière. Les porcs. Le fromage n'est pas fondant, il est vraiment collé au truc. Moi je préfère les frites toutes simples, tu vois. Rajouter trop de choses, ça enlève, ça dénature le goût de la frite. Là on a la version bacon qu'on peut goûter aussi. Ouais, on va comparer avec la bacon de suite. On dirait des petits lardons. J'ai mal à mon régime. J'ai mal à ma diète. C'est vrai que pour moi, lardon égale pas de carbo. Mais c'est pas des lardons. C'est du bacon. Oui. Ça fait très pas de carbo. Je trouve ça vraiment, vraiment bourratif pour le coup. Votre avis sur les frites là? Très bien. Et toi, Bat? Alors, il nous reste un snack, un wrap et un snack. Je pense qu'on part sur le snack. Ah, ou là, qu'est-ce que c'est ça? C'est du poulet, je crois, lui. Hein? Oh, du poulet caramélisé. Ça, j'en veux pas. Baptiste, c'est un métier d'être goûteur. Oui, mais moi, c'est pas mon métier là. Ok, on voit qu'il y a un os. Il y a de la viande, mais l'os il prend une place considérable. Bat? Ouais. Un petit croc. Antoine, un avis? Ça a l'air bon en tout cas. Moi, c'est la première fois que je mange des ailes. Je suis pas très fan des os et tout ça. En fait, ouais, pareil, je préfère le filet de poulet, tu vois. Vraiment en mode, y a pas d'os quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Bat, ton avis? C'est un peu épicé. Ouais, t'as pas? Tu veux pas manger? Si tu manges, je t'offre mon PC à Noël. Pas le nouveau, l'ancien. Même. Attends, s'il mange ça, il a un ordinateur, Matt? C'est quoi, c'est ça? Eh oui. Non? Ça veut dire que t'as pas le PC là? Tu perdrais le PC juste pour une noyette? The worst trade deal ever made. Bon bah, ceux qui veulent le PC, les gars, mettez un commentaire. Ah, mais c'était pas une blague? Ah non, c'est pas une blague. Un croc, tu vois. Ah? Alors? Le PC, t'as mis ceci sur ma table, oh! Alors Baptiste, t'en penses quoi? T'es sûr? J'aime pas. Ah, t'as eu plus de peur que de mal ou pas? Non. Au moins, il a gagné un PC. Si la vie était aussi facile. Donc, il nous reste un dernier wrap. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a le truc au fromage de tout à l'heure. Ah, d'accord. Dessous, il y a les galettes de chèvre en fait. Le truc que t'aimais pas. Bon, on va goûter quand même pour voir si c'est un peu meilleur. Mais... En vrai, je pense qu'avec la tomate et tout ça, ça passera mieux. Ouais. Servez-vous. Nickel. Et merci le sein, la zone. Le J, c'est le S. Le J, c'est le S. Genre le RS. Comment tu connais ça, toi? On va goûter ça, vous faire un avis constructif. Ah, ok, ça passe mieux. Non, il y a un goût bizarre. Le fromage prend trop de place en fait. Ah, j'aime pas. Pourquoi t'aimes pas? Parce que je crois qu'il y a la sauce qui est mélangée avec le fromage et du coup c'est pas ouf. Et Antoine, pour être sûr. Oh, c'est bien, Bat. Et je suis pas sur la table. Oh, par contre, non. J'ai juste un truc à dire sur la qualité des pailles. What the fuck? Tu sais qu'il y a la défense depuis tout à l'heure. Ah, il y a des desserts encore. On range un petit peu la team shape et on passe au dessert. 3, 2, 1. Oh, dessert! Hey, what is that? Ah putain, ils ont mis la dose de cuillère, hein! Généreux! Donc, qu'est-ce qu'on a en dessert? On commence. Des cuillères et des fourchettes. On pourrait inviter les abonnés, quoi. Donc, là, c'est la glace aux M&M's. On dirait vraiment le McFlurry du McDo. Glace Nutella. Oh là là! Le gras? C'est la vie. Sachez les gens que j'aime pas trop le sucré moi. Donc je vais goûter les pommes. Les pommes sont très bonnes. Ça fait du bien d'avoir du frais un peu là. Elles sont bonnes ouais. Bon, on commence par laquelle? Celle-là. M&M's caramel. Ah oui, t'as pris une grosse cuillère. Bah il faut goûter. Moi je vais en prendre une petite aussi. What is that? It's a tiny piece. On a le goût des M&M's. Pas mal. Une glace sundae classique. Ils ont voulu mettre une glace avec des M&M's, c'est réussi. Bah ils ont fait un mélange des deux quoi. Ouais. How original. Mais ça fait le taf. Mais ça fait le taf en tout cas. Ouais, c'est pas mal. Donc du coup je vous laisse. Okay. Donc je commence hein. Ça me fait mal au cœur. Après le Nutella tu vois, il est dur. Ouais, parce que la glace est froide. Mais même moi j'ai pas envie d'en prendre. Je vais goûter. En fait il a fait ça pour qu'on prenne tout le Nutella du dessus. Ah ben, on sent bien le Nutella hein. Non, si. Jure. Je dois l'avouer les gens que c'est pas mal hein. Voilà les gars, petite cuillère. Sérieux? Ça fait longtemps que j'avais pas mangé de Nutella. Tu comprends maintenant à quel point c'est addictif hein? Bah de ouf hein. Oh ouais. J'aurais pas dû faire ça. C'est glace. Tu vas retomber accro? Ah ouais là. Oh c'est galère hein. Oh, c'est... Ah tu sais que j'ai envie de lécher la cuillère là. Alors Bat, il va rentrer à la maison et il va tout finir. Alors pour moi la meilleure reste la Nutella. Moi je suis pas très fan de M&M's. Team Skittles. Conclusion, alors qu'est-ce que vous avez préféré aujourd'hui, Antoine? Alors en première position je mettrai le Whopper. Deuxième position je mettrai le Big King. Troisième position je mettrai le Wrap Chicken. Quatrième je mettrai le Burger Barbecue. Ok, très bien, tu peux t'arrêter là, c'est très bien déjà. Ok, tu m'invites sur ta chaîne. Non, très bien, très bien. Je donne mon avis. Très bien. Et tu m'écoutes pas. Mais si je t'écoute. Pétition. Avec toi Bat. Bat, avec toi. Bat, ton avis, ton top 3. Whopper. Ensuite, tu mettais d'abord la glace Nutella. En deux, glace Nutella. Et en trois, M&M. Et en top. Tu veux des pommes de pain? Bah, après avoir mangé des pommes, faudrait peut-être des pommes de pain.
Pas mal ça. Mon top 3 moi je dirais le Whopper en premier. Ensuite je mettrais comme toi le burger qui ressemble au Big Mac. Et en troisième. C'est bon, tu vas vivre si tu fais une mauvaise réponse. Hein. Je dirais les frites. Et les frites sont pas mauvaises. Que vous avez préféré à McDo? Moi, perso, j'ai préféré McDo. Hmm. Il va dire, je sais pas. Non, peut-être un peu plus le McDo quand même. Peut-être un peu plus. Je noterais Burger King, tu vois, genre 14 sur 20. Le McDo, tu vois, je mettrais 16. Moi, sur Burger King, je mettais 7,5 sur 10. Donc ça fait 15? Ouais. Ok, très bien. Antoine? Ça reste du fast food donc je dirais 13. J'ai préféré le McDo moi parce que le McDo il m'avait pas donné mal au ventre. À chaque fois que tu finissais les trucs, t'en prenais après, beaucoup. Après, Baptiste a quand même beaucoup mangé hein. Merci en tout cas d'avoir participé à cette vidéo. Je vous propose que si la vidéo atteint 200 000 pouces bleus en bas de la vidéo, on se revoit tous les trois pour faire la dégustation KFC. Okay. Ou la dégustation Five Guys à Los Angeles. On est parti. On n'a pas le budget pour la Los Angeles. Donc ce sera le KFC au bout de la rue. Pensez à suivre Bat et Antoine. Les liens seront dans la description. Merci sister. Avec plaisir. Ah tu m'as fait mal Baptiste. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube cliquant sur ma tête juste ici. Abonnez-vous à la chaîne d'Antoine et Bat sur les têtes juste là. Et regardez une autre vidéo YouTube en cliquant par là. Par là. Voilà, par là. Et surtout n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Bon.